Sheku, congratulations on your new contract. First of all, what is your reaction to signing to stay here for a lot more years? Merci beaucoup. Je suis content d'avoir renouvelé mon contrat avec West Ham. Je suis très content. Je tiens à remercier tout le monde, l'entraîneur, les fans, mes parents aussi. Et je pense aussi que c'est le commencement d'une longue série. Maintenant, on va essayer d'aller découvrir le nouveau stade. Et je suis content de faire partie de ce projet. What was the main reason for you deciding to sign your new contract? Ouais, ça veut dire que le club a confiance en moi et cela ça me touche beaucoup. Maintenant, il y a du chemin à faire, donc je dois seulement continuer à travailler et aller à ce magnifique stadium et essayer aussi continuer aussi de faire plaisir aux supporters. It's a very exciting time for the club. We've had success on the pitch this season. We're moving to the new stadium in the summer. Was that part of the reason that as well you've decided to sign this new deal? Oui, c'est vrai. En plus, on sait bien maintenant c'est la dernière année ici. C'est la dernière année, pardon, ici au stade d'Upton Park. Maintenant, l'année prochaine, on va changer de stade. Maintenant, moi, je suis vraiment excité de commencer cette année avec mon équipe. Maintenant, moi, je suis content de signer ce nouveau contrat et de faire partie de ce projet. How excited are you to be next season playing in front of 54,000 West Ham fans at the Olympic Stadium? Oui, déjà là, je suis excité quand on joue ici à Upton Park avec les fans. Et quand on joue aussi à l'extérieur, ils sont présents. Quand tu vois aussi contre Manchester United, ils étaient 10 000 fans. J'avais vraiment des frissons. Maintenant, j'imagine maintenant dans ce nouveau stadium avec 40 000, 50 000 supporters. Ça va être magnifique. You mentioned the fans at Manchester United. You seem to have a special relationship with the supporters here. Do you feel that connection with the West Ham fans? Oui, c'est vraiment magnifique avec les fans. J'ai jamais eu ça dans ma vie, des supporters comme ça. C'est des fans magnifiques. Et je parle souvent avec Dimitri. Et on est vraiment impressionnés par ces fans. Yeah. On the pitch, you've been in the Premier League now for 2 years. How do you feel you've grown as a player during that time? Ouais, je suis venu ici, c'est mon deuxième année ici en Angleterre. L'année passée, c'était l'année de mon adaptation, donc je devais apprendre. Donc je pense que j'ai bien appris l'année passée avec Sam. Et cette année, on a eu un nouveau manager qui est venu, qui est Slaven, et qui m'a aidé beaucoup, donc qui m'a libéré de mon jeu. Et je pense qu'avec lui aussi, je peux aller encore très loin. Okay. And what would be your top moment you've had in a West Ham shirt so far? Je pense aussi, je vais le garder parce que là, on veut vraiment aller en finale de cette coupe. Et chaque match avec West Ham, je prends du plaisir. Et vraiment, on veut vraiment aller chercher cette coupe-là. Maintenant, il nous reste deux finales. Donc, cette première finale, c'est contre Manchester United ici à la maison. Et on va tout faire pour gagner ce match. Et l'autre, ce sera, je pense, à Wembley, si on pense ici. Et pour moi, je veux vraiment gagner cette coupe avec West Ham et essayer de décrocher une place en Coupe d'Europe aussi avec West Ham. Et je pense aussi que c'est possible. How much has the manager, Slaven Bilic, helped you this season? Il m'a beaucoup aidé et c'est un coach qui est vraiment proche de ses joueurs. Et il nous parle beaucoup. Et moi, personnellement, il me parle toujours, il me parle tout le temps. Et comme je l'ai dit, il m'a libéré. Et je l'ai redit tout à l'heure, c'est un coach qui peut m'amener très loin. Et je suis vraiment content de travailler avec lui. Mm. And what are your hopes for yourself and for West Ham over the next few years? Ouais, maintenant,
Là, on est ici et on est en train de construire un projet. Et moi, de ma part, je vais tout faire, travailler dur pour vraiment essayer d'amener West Ham avec mes coéquipiers, essayer d'amener West Ham le plus loin possible. Et le projet est important. Et d'ici quelques années, je pense qu'on nous verra le plus haut possible. And of course, just this season, we're still in the FA Cup, we're fifth in the league, so there's still a hell of a lot to play for over the last couple of months of the season. Oui, on a maintenant, les prochains mois vont être des mois importants pour nous. Donc, comme je l'ai redit tout à l'heure, on a l'FA Cup et on va aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est possible. Il faut juste travailler dur. Et nous, avec les supporters, avec les dirigeants, je pense que c'est possible. Et aussi, il nous reste aussi quelques matchs pour rester dans le top 4 ou dans le top 5. Donc, c'est seulement à nous de faire des bons matchs et essayer de gagner plusieurs matchs. Et à la fin, on verra. Thank you.